à la veille des Journées européennes du patrimoine. Macron s'est rendu ce midi en Côte d'Or, mais pas à la police. Pour parler patrimoine en milieu rural, en présence de ses sbires et Stéphane Bern. Petit symbole. J'avais promis à un camarade d'afficher ce qu'il m'a demandé. Donc voilà, c'est fait, c'est là. Pensez pour ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont des obligations aussi bien professionnelles que familiales, etc. Mais à savoir quand même que le droit de manifester, il est en train d'être bafoué depuis de très très longs mois. Et puis ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup de monde. Il y a même eu des convocations, des gardes à vue abusives envers des camarades qui étaient... qui étaient sur les manifestations contre la réforme des retraites notamment. Voilà, je vous fais un petit tour, je commence à voir un petit peu de monde. Tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui, Fred ? On est là parce qu'il y a le Macron qui vient donc pour les journées du patrimoine ici à Semur-en-Auxois. Et du coup, on exerce notre droit fondamental de manifester. On a le droit d'être contre le gouvernement. Et du coup, voilà, on est là alors que tout est bunkerisé, les accès sont interdits. Du coup, on est là pour se faire entendre, pour dire qu'on est contre la politique du gouvernement, la politique de casse sociale et contre la réforme des retraites, et qu'on lâchera pas et qu'on s'exprimera. Voilà. D'accord, bah, très bien, ok.
Non, il a tout dit. Bon, notre camarade Alex, toujours. Alors, on va lui donner le 89 Lyon. Je représente, oui. Tu représentes, vas-y, alors. D'accord. Et on est là pour manifester notre mécontentement contre Emmanuel Macron. Puis en profiter aussi pour dénoncer l'inflation, la hausse des prix, le carburant et autres. Parce que là, on n'arrive pas à boucler des fins de mois et nous sommes là pour les défendre. D'accord. Ok, merci à toi. Merci pour le d'être présent, toujours et encore. Peut-être à nous, rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage des richesses, retraite à 60 ans, ou alors ça va péter. Tout est à nous, rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage des richesses, retraite à 60 ans, ou alors ça va péter. Ça va péter, tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Partage de richesses, retraite à 60 ans, ou alors ça va péter. Ça va péter, tout est à nous, rien n'est à eux. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Macron, voleur, rend le pognon. Macron, voleur. Rends le pognon, 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 Macron. Et tes réformes nordiques, c'est bon pour les lombriques. Gouvernement de fumier, on va te composter. Et tes réformes nordiques, c'est bon pour les lombriques. Gouvernement de fumier, on va te composter. Et tes réformes nordiques, c'est bon pour les lombriques. Gouvernement de fumier, on va te composter. Et tes réformes merdiques, c'est bon pour les lombriques. Gouvernement de fumier, on va te composter. Et tes réformes merdiques, c'est bon pour les lombriques.